Ah, bonjour à tous. On se retrouve maintenant pour la suite de notre épisode de Black Mesa. Alors oui, il faut pas que je retourne par là parce que sinon je vais avoir un chargement. Je vais essayer de progresser un peu. Alors je suis un peu vénère parce que en fait je viens de faire une partie du niveau là et comme j'enregistre le oula. Comme j'enregistre sur mon SSD et qu'il n'y a pas énormément de place, je m'étais pas rendu compte qu'en fait j'avais atteint le maximum possible. Et du coup, du coup, ça a arrêté d'enregistrer. Et du coup, je parlais dans le vide. Alors au moins, je sais quelles erreurs commettre et quelles erreurs ne pas commettre. Par exemple, là, vous voyez ces fameuses caisses où il y a écrit danger explosif. Moi, je les avais pas vues. Donc j'ai tapé dedans comme l'autre caisse là-bas et ça a explosé. Ça m'a fait super mal. C'est un peu de la triche du coup, mais hop là. Alors il faut passer par ici. Récupérer ça. Normalement. Non. Oui. Ah oui, c'était bien ça. Il faut que je sorte quand même. Voilà. Peu de fumée, hein. Je sais pas si vous voyez bien, si c'est bien clair pour vous sur. Je vais essayer de mettre un petit peu de luminosité quand même. Parce que je crois me souvenir que sur la vidéo que je viens d'uploader là. Aujourd'hui, la luminosité est un peu basse. Oh, ils sont chiants de balancer des trucs dessus, là, comme ça. En plus, il a des grandes mains. Et ses bras, ils font 3 mètres, on peut pas les éviter. Allez, tiens, comme ça. Il n'y a rien dans ces caisses, hein. Hop là. Ah, dur. Alors lui il est mort mais comme une merde en se prenant l'escabeau sur la tronche. Et alors l'autre il s'est fait découper en rondelles par je sais pas quoi. Oh regardez un œil. C'est un peu gore quand même. Je sais pas si je peux. Et là c'est quoi ça? C'est le cœur. Ah voilà le plus intéressant. Tiens mon gars. Ah, toi t'en avais pas. Réussir à mourir à cause d'un escabeau, c'est quand même hard. Je suis désolé, Sinobotomi, il y a des gens qui sont morts à cause d'escabeaux. Alors ça, je vais vous montrer. En fait, faut pas les toucher parce que si tu touches, hop, ça te chope et ça te bouffe. Eh, comme le porc, salut. Alors, nous, on va passer. Mais il se le passe de main en main. C'est fou, ça. Regardez, le Gemman, il est là. Alors là, si je me souviens bien, il y a un truc qui. Ouais. Ça fait hyper mal ce machin. Faut que j'arrive à le tuer. Ah bah non. Voilà. Ça faut vraiment avoir l'esprit tordu pour inventer un truc pareil. Non mais regardez la tronche que ça a. Ça a quoi? Ça a 20 000 yeux. Une sorte de. De calotte. De. Gland ou je sais pas quoi, des poils, dire un, c'est je sais pas, c'est dégueulasse. Burk. Alors par là, si je me souviens bien, c'est bloqué, mais il y a de la vie, mais je pourrais la prendre tout à l'heure, j'en ai pas besoin. Il faudra que j'aille par ici. Hop là. Oh. Ouverture. Essayez d'éviter de me faire attraper par la petite bête. Calé.
Ah, qui sont cons. Alors, là, il y avait un mec. Oh, thank God. Listen, Je vais vous résumer vite fait ce qu'il dit. Il sait où est-ce qu'il y a une armurerie et il veut que je l'emmène avec moi pour ouvrir la porte de l'armurerie parce qu'apparemment moi j'ai pas les codes. Et comme c'est un bâtard, il veut pas me les donner. Oh, t'es un bâtard. Allez, viens. Ouais. Let's go. Alors ça, il y a ça, tourner. Je sais pas à quoi ça sert. Si vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Parce que moi, j'en ai vraiment aucune idée. Et j'ai encore fait l'erreur de pas regarder à quelle heure j'ai commencé à enregistrer. C'est fou, ça. On va considérer que ça fait 5 minutes. Ok. Allez, on va partir pour 20 minutes aujourd'hui, donc encore, encore 15 minutes. Je peux vous donner quelque chose pour la douleur. Ah, c'est gentil. Je sais pas ce qu'il a fait, mais... gentil. Wait. Maybe we can reason with it. Voilà. Et alors, il est un peu con parce que il vient de me dire que peut-être on pouvait les raisonner. Mais oh, ça va pas bien dans ta tête, t'as vu la tronche qu'ils ont, tu veux raisonner les machins comme ça? Regarde ça. Bonjour monsieur, peut-être pouvons-nous parler? Il avait pas l'air d'avoir envie de d'être raisonné. Hein. T'es pas d'accord avec moi, mon gars? Allez, vas-y. Bah oui. Mon apologie. Bon, mes excuses, qu'il dit. Merci. Voilà. Ah, ils sont plus à l'aise. Bon. Ok, j'ai des grenades. Et toujours mon pied de biche. Vous savez ce que c'est que 42? 42, c'est la réponse. D'ailleurs, je crois que c'est écrit dessus. Je vais vous montrer. The answer. Answer qui veut dire réponse en anglais. C'est la réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste. Ah, si vous connaissez pas ça, je vous conseille de rechercher un petit peu sur internet de quel ouvrage c'est tiré et de voir par vous-même, voire de les lire. Moi je les ai lus, c'est du Adams, c'est vraiment 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 bien. C'est dans la culture web mondiale, c'est très connu. C'est H2G2. Alors le guide du voyageur galactique, voilà, c'est ça. C'est dans H2G2 le guide du voyageur galactique. Un petit peu de culture, ça fait pas de mal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alors ça. D'accord. Ok. Merde. Tiens, moi aussi je peux te lancer des trucs. Ah ouais, c'est vrai, je peux pas les éviter, ils ont des bras trop longs. Faudrait que je cours, mais j'ai pas le réflexe. Oh. Alors, si vous venez de voir l'épisode 1 du Let's Play, ces bonhommes-là, c'est les bonhommes qui sont sur Xen, là. Ils ont une sorte de prière vers nous avec leurs mains un peu chelou, pendant que tout se désinguait dans notre expérience. Hop là, c'est bon, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Ah, je viens de penser à un truc, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Je vais essayer d'être un peu plus doux dans mes mouvements de pointeur de souris. Parce que j'ai ces réflexes de gamer qui sont très tchac. Du coup, ça peut peut-être donner mal au cœur pour quelqu'un qui n'est pas dans le jeu comme moi. Je sais pas, il faudrait que je demande un peu
des avis. Alors, en bas, il y a de l'eau, là. Hein. Ouais, s'il y a de l'eau. Voilà, c'est bon. Quand il y a de l'eau, on peut tomber sans souci. Oh! Moi, j'encaisse les dégâts, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Reste 12 balles, c'est un peu chaud quand même. Alors, ça doit être la solution pour sortir d'ici. Ça manque tout de même d'une petite... Non. D'une petite musique. Ouh, je suis passé. Par contre, ah ouais, mince, comment je fais pour respirer? Oh! Mais je vais mourir! Oh! Mais qu'est-ce... Vite! Oh là là! Ah, mais je crois savoir où faut que j'aille. Tout à l'heure, il y avait un zombie qui ressortait d'un endroit. Merde, c'est pas par là. Vite. Hop, par là. Respirez, redescend. Qui sortait de... Ah, merde. J'essaie de passer par là. Oui, c'est bon, ça passe. Non, c'est pas là. Non, c'est où? Non, mais je vais mourir à nouveau. Non, est-ce que c'est par là? Zut. Oui, c'est là. 12. Oh, j'ai pris trop cher. Merde, comment on descend des échelles déjà? Ouais, attendez, c'est pas vrai ça. Pas deux quoi. Ah voilà. Oh, j'ai cru que c'était la fin là. J'ai cru que c'était la mort. Mais un petit coup de labyrinthe là, sous l'eau. Ah. Et voilà un chargement. Du coup, j'ai rien prévu à boire ce coup-ci. Tant pis pour moi. Oh. Oh là là, il a eu le temps de me sauter dessus, c'est fou ça. Là, il y avait des trucs. Ah, mais on peut monter là. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Je vais vérifier d'abord. Ici. Ah, là, il faut descendre. Je me souviens qu'il faut descendre. Ok, rien ici. Faire un petit tour quand même. Ah, pas rentrer. Ah bah voilà, bah je crois que par là on peut aller dans le truc de sécurité, on pouvait pas rentrer. J'ai vu qu'il y avait de la vie, donc ça tombe bien. Avant de descendre en bas. Ah, je sais plus si c'est dans le 1 il y a les combines aussi. Je vais pas vous spoiler.
Essayer de faire le mec qui sait tout. Enfin, arrêtez d'essayer de faire le mec qui sait tout. Premier soin, voilà. Je mets un petit à nouveau. Bon, bah j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Comment je ressors maintenant? J'ai l'impression qu'ils se sont bien amusés avec avec les tasses. Ah bah oui, voilà. Circuit élévateur. Ah bah de toute façon j'aurais pas pu prendre l'élévateur sans pousser ici. Et ça a ouvert la porte. Parfait. Voilà. Élévateur actif. Comme dans Avengers. Ah bah oui, bien sûr. J'ai eu un réflexe coup de crosse. Et bien sûr, il n'y a pas de coup de crosse dans Half-Life. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Alors là, entre les cadavres et les pas cadavres. C'est pas vrai ça! Meurs, saleté! Wow, 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 wow! Putain, c'est genre le boss de mi-niveau. Non mais arrêtez! Waouh, mais il y en a trop! Ah mince! Et en plus, j'ai raté un bonus ou un machin à cause de vous là! Vas-y, 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 vas-y. Viens là. Voilà. Oh zut, on peut pas remonter. Mince, il y avait une passerelle là. Oh, je suis sûr qu'il y avait des trucs super intéressants dedans. Leur machine gun par exemple. J'exagère un peu mais. Bon, je me vis à 50%. Du coup maintenant je fais attention où est-ce que je tape. Parce que comme il y en a qui explosent des. Ça m'aurait permis d'aller de là-haut. C'est ça, hein. Passer là, ça m'aurait permis d'aller là-haut. Bon, enfin bon. C'est pas grave. On va avancer. Oh. 127. Bon. Quel abruti. Ah d'accord. Du coup, je fais comment moi? Ah bah voilà. Ah ah, j'ai trouvé. Un petit peu de plateforme. Surtout. That's the point. Ah, ça va presque faire 20 minutes, hein. Bon, on va avancer encore un petit peu. Et puis, on arrêtera. Indestructible.
Voilà ma sortie. J'aurais peut-être pas dû faire ça et y aller là-bas d'abord. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Oula, je suis passé à deux doigts de tomber directement. Attention, regardez. Vos barreaux de... Attends. Il y avait un mec mort ici, là. J'ai pas rêvé, il y avait un cadavre ici. J'ai rêvé? Je sais plus. J'étais persuadé qu'il y avait un cadavre avec des munitions. J'ai peut-être rêvé. Oh là là! C'est la guerre. Regarde ça. Ah non. Ah dommage. Bon, alors on va descendre. J'espère que... Ah mince, j'étais pas sur l'échelle. Oh, je me suis fracturé la jambe. Voilà, par contre ça va être hard quoi. Raté. 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 Merde. Touché. Raté, raté, raté. Raté, raté. Ah mais je suis con. Je peux lui tirer dessus. Qu'est-ce que je suis bête, c'est fou ça. J'étais parti pour aller le rusher avec mon... Ah non, 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 ça va pas être d'accord. Le rusher avec mon gun, je voulais dire, mais... Avec mon... pas mon gun. Y'a pas de petites bêtes dans le... Dans l'eau. Ça a pas l'air. Comment je fais pour... de l'autre côté, je ne peux pas. Je vais reprendre ça. Apparemment le Glock a l'air étanche. Hein. Voilà, parfait. Oh. J'ai vraiment un problème avec les échelles. Hein. Shampoing, c'est tout? T'en fous ma gueule? C'est bête d'être mort aussi près de la vie. Enfin bon. Ça s'explose, ça s'explose, ça s'explose. Ça c'est vraiment... c'est vraiment moche. Et ça, ça explose aussi. Mais alors je suis certain que... Il y a quelque chose là-bas. Bah non, rien. Bon, et bah avant de passer cette porte, je vais sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Voilà, sauvé. On s'arrête là pour ce deuxième let's play. Il est un peu plus court que le premier, mais c'est normal. Je vais essayer d'intégrer des formats de 20 à 25 minutes pour les let's play, pour que ce soit plus facile à regarder. C'est plus facile de trouver 20 minutes à perdre que de trouver 40 minutes. Hein. Disons que le premier, bah, on est allé jusqu'au début de l'action, et là on commence à rentrer dedans.
Bon, pour l'instant, il se passe pas énormément de choses, mais ça risque d'évoluer très rapidement, je pense. Voilà, voilà où nous en sommes. Alors, bah, hop, voilà, petit cadeau. J'espère que ça va lui exploser la gueule. On attend de voir ce que ça donne et on se quitte là-dessus. Allez, bisous, moi je vous aime. Ben non. Rien fait du tout. Allez, salut, à plus.